Et salut tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va aller faire un cache-cache géant dans un hôtel. Donc les règles, ça va être très très simple, en gros, on va aller se cacher chacun son tour. Celui qui met le plus de temps à trouver l'autre a perdu. Et demain, on va aller trouver un gage pour celui qui a perdu. Et vous allez voir que ça va être plutôt drôle, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti, je vous laisse pas patienter pas plus longtemps. Ok, donc moi je vais me cacher en premier. Ouais. Ok, tiens, je te donne la caméra. Fantastique. Et là, ça tu peux commencer à filmer. Mec, là ça filme. J'ai combien de temps pour aller me cacher? Bah, on avait dit 2 minutes à peu près. Ok, vas-y, il est 43. En gros, je compte pendant 120. Okay. Jusqu'à 120. Vas-y, allez, tchuss. Bisous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il est 43. 30 à peu près quand il a commencé, donc j'ai jusqu'à 45-30. Je suis à mon troisième étage, c'est un étage à peu près pas mal. Je vais l'envoyer au rez-de-chaussée. Où est-ce que je peux cacher? Pas là. Il n'y a pas de truc pour se cacher par là. Et là, à 1 minute 10, j'étais à 30 secondes. Du coup, 1 minute 30 de plus, ça va faire 2 minutes 40. 2 minutes 40, c'est fini. Bonjour. Allez, 40 secondes. Ah, c'est terrible, il y a des gens qui passent, c'est fantastique. Il va prendre un tarif exceptionnel. Allez, 4 secondes. 3, c'est parti. Ok, je vais le fumer. Je sais pas du tout où est-ce que je vais me cacher, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, là j'attends l'ascenseur. Je fais le quatrième. Ok. Ma technique c'est de faire deux étages à chaque fois. Partant à gauche, je descends, je fais à gauche, je vais à droite, je remonte à droite et je descends deux étages. Petite technique, t'as capté. Deuxième étage. Putain, il est super bien caché. En fait, il est pas super bien caché, juste il s'est mis bien, il s'est mis très très doux. C'était terrible! Tu sais que j'avais une super technique! Mec! Ah, fallait juste que je descende des escaliers! Eh oui, frérot, eh oui! Bâtard! Bâtard! Eh oui! Tu veux que j'arrête ou pas la vidéo là? Non!
Mec, du coup, tu m'as trouvé en combien de temps? Oh, mec, longtemps, hein. 9 minutes. Attends, 9 minutes, c'était 2,40. Ouais, 5, tu vois. 6,20. 6 minutes. Ce sera calculé au montage, de toute façon. Mais c'est sûr, c'est 6 minutes 20. Tu m'as vu passer? Oui, mec, je t'ai vu passer, 2 fois. Comment ça? Bah, genre, j'étais dans l'escalier. Et puis, t'es passé, j'ai entendu tes claquettes. Puis après, t'es repassé, j'ai réentendu tes claquettes. Et c'est parti! Deuxième round! Et là, c'est Toto qui va se cacher. Je vois pas comment je pourrais gagner là. Sachant qu'en gros, toi t'étais là, moi j'ai fait ça, 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 ça. Tu sais ce que je veux dire? Ah ouais, moi je vais. Ça va être une vraie technique. Ok, on est au lieu de lancement. Est-ce que t'es prêt, Toto? Est-ce que tu veux ton téléphone pour filmer? Je dois me cacher dans la chambre. T'as le droit de te cacher partout, du deuxième au sixième étage. Partout. C'est pour toi. Ok frérot, je te laisse 2 minutes. Ça commence dès que l'ascenseur se ferme. Allez où? Silver. Faut la carte. Ça commence maintenant? Ouais. Vas-y. 13, 14, 15, ça ne tient pas du tout. 16, 17. Et là, on fait notre cache-cache là. Oh, mais si je me cache derrière le lit, ça va être terrible. Tu vois, je peux me cacher dans le placard. Sous la couette. En vrai, c'est chaud. Oh. Où ça? Ouais, mais du coup, il va venir. Je pense qu'il va venir. Sous lit, ça passe pas. Dans la baignoire. C'est cramé de fou, hein. Sous la couette. Vas-y, Inch'Allah, je reviens. Putain, il s'est déjà venu. Terrible. Je suis du coup. Je suis derrière les rideaux comme ça. Attends. Trop? Mais non. Let's go. Vas-y, il faut que je chope un ascenseur. Ok, c'est parti, c'est maintenant que ça se joue. Ok, let's go. On va commencer par le deuxième. On va se faire deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et le sixième, il y est pas parce que j'ai déjà checké. Enfin, c'est sûr qu'il y est pas vu qu'il est pas passé. C'est parti, il faut que je batte 5 minutes 30. Okay, peut-être qu'il est dehors. Non. Putain. C'est parti. Je vais aller checker au deuxième s'il est pas dans la chambre. Ok. Déjà il est pas caché dans les ascenseurs. Je vais checker le deuxième dans la chambre. Je vais checker ma cachette si jamais il s'est recaché dans la même. Et après, je monte au cinquième et normalement c'est fini. Est-ce que j'avais cloué? S'il rentre, il va cramer.
Il est pas là? T'es sûr? Non, il est pas là. Tu l'as pas trouvé? Non. Oui. Oui, je le savais, j'ai même pas fait le cinquième étage. Là j'étais vraiment des boîtes. T'as vu comment je suis tombée? Tu sais qu'en plus je pensais qu'elle allait vraiment partir. Oh oui. Et oui, voilà, qui est le plus fort? Mec, je sais pas, t'as vu combien de temps? Non, je sais pas, j'ai pas compté. Ah bon, on va voir. Hein. Allez, tu fais un bête de score, c'est sûr. Et là, du coup, on retourne sur Paris cet après-midi. Et j'ai trouvé le gage pour Thomas. Il va devoir passer tout le trajet pour jusqu'à Paris. Donc ça fait Bordeaux-Paris, debout, dans le TGV. Et du coup, je crois qu'il trouve ça très rigolo. Est-ce que tu trouves ça très rigolo, Thomas? Ouais. Ouais. Non. Ça va être rigolo, le trajet dans le train debout. Ouais, à fond, ouais. 2h30 debout. Ouais, 2h30, ouais. Bon, bah, c'est nickel. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir dans les toilettes, genre? Ah, j'ai trop envie, Bah, si tu t'auras le droit de t'asseoir, quoi, mais c'est tout. Donc voilà, ça va être trop drôle. On va se retrouver dans le train. C'est parti, attention. On va faire une transition train un peu stylée, genre comme ça. Et là, attention. Transition train. Là, du coup, il est actuellement 16h48. Le TGV part dans 5 minutes. Du coup, il va rester debout, Toto, jusqu'à 19h30. Donc, on va aller voir comment il va. Suivez-moi, c'est parti. Frérot, tu fais quoi assis là? Du tout. Tu fais quoi assis? Tu peux juste te lever en fait. Ah oui, bien sûr. Jusqu'à la fin, c'est ça? Oui, il reste debout. Mais c'est parce que ça n'a pas encore commencé, tu vois. Mmh. C'est parti à 59. Ah oui, c'est vrai, il est 59. Il va prendre un tarif exceptionnel. Et voilà, on est rentré. Ne vous en faites pas, Thomas va bien malgré les 2 heures de train debout. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Nous, on s'est extrêmement marré à la faire avec Thomas. N'hésitez pas à poser le plus gros pouce bleu en dessous de cette vidéo et à vous abonner. C'est le plus gros soutien que vous pouvez me faire sur YouTube. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine, dimanche 10h, pour la prochaine vidéo. Ciao!